Je suis en train d'en programmer une et je me dis que c'est une bonne occasion de vous en parler. La visite d'avant-vente, Kezako. Lorsque la date d'acte de vente a été fixée par les notaires, c'est-à-dire que toutes les conditions ont été levées, le financement obtenu ou justifié, tout ce qui est urbanisme a été validé, etc., copropriété si besoin, on fixe la date donc, de la signature et le jour même ou la veille, généralement, nous faisons une visite d'avant-vente. Cette visite est différente d'un état des lieux. En effet, ce qui est vendu, c'est un bien ancien d'occasion. Il est vendu en l'état tel qu'il a été vu et visité. Il ne doit pas avoir changé entre la visite et entre la veille de le jour même de la signature. Donc on s'assure de ça. On s'assure que le mobilier restant, ce qui a été listé, est bien resté en place. Il n'y a pas eu d'ailleurs non plus de sinistres, de dégâts, de dégradation. Un entretien finalement normal du bien dans l'intervalle. Et puis, dernière chose, nous allons faire aussi ce jour-là un relevé des compteurs, un EDF, l'eau, le gaz, etc. si besoin. Bien sûr, l'acheteur aura transféré déjà ses abonnements en amont et aura assuré le bien dès le jour de la signature. Voilà, on vérifie tout ça et ensuite on va chez le notaire pour la transmission. Bonne journée.